Le massif de la Vanoise, c'est un massif qui est déjà d'altitude particulièrement élevée, puisque les plus hauts sommets avoisinent les 3800-3900 mètres, et encadré par les deux hautes vallées de la Maurienne et de la Tarentaise. C'est un massif extrêmement diversifié, hein, sur le plan des roches, sur le plan des paysages, et qui a été profondément humanisé, au moins dans les hautes vallées, hein, évidemment pas dans le cœur du massif qui appartient à la zone de la haute montagne. D'un bout à l'autre de la Vanoise, le randonneur va trouver des paysages extrêmement diversifiés, liés à la géologie, mais aussi évidemment aux paysages végétaux. La Vanoise appartient au soulèvement alpin qui remonte à l'ère tertiaire essentiellement. La Vanoise est caractérisée par l'importance de ces nappes de charriage, donc qui ont été basculées d'est en ouest. En simplifiant, c'est à peu près ça. Si vous le comparez par exemple au massif des Écrins, qui est un massif très homogène sur le point au point de vue des roches, hein, essentiellement granitiques, cristallines, là on a un peu toutes les familles de roches. Donc vous pouvez trouver aussi bien des calcaires qui forment les fiers sommets de la Grande Case, de la Grande Motte, de la Dent Parachée. Vous allez trouver des carnioles, c'est une roche un peu particulière de couleur ocre qui vont vous donner des formes d'érosion spécifiques. Exemple, le monolithe de Sardière, donc cette espèce de fine aiguille de 100 mètres de haut qu'on trouve dans la forêt d'Aussois et aux confins donc, de la commune de Sardière. Vous allez trouver des gypses, qui est cette pierre à plâtre dont on faisait le plâtre autrefois, cette pierre blanche, qui se dissout sous l'action de l'eau. Donc vous voyez que les formes sont extrêmement variées. Vous avez des canyons comme le canyon de l'Essayon, hein, qui fait 100 ou 120 mètres de profondeur entre deux parois absolument verticales. Finalement, après le départ des grands glaciers, il y a eu tout un réaménagement des vallées, et essentiellement, on peut dire, de type catastrophique, c'est-à-dire notamment en Haute-Maurienne, Moyenne et Haute-Maurienne, où vous avez eu une succession de grands écroulements qui ont eux-mêmes provoqué la présence de lacs, qui se sont comblés par la suite, d'où aujourd'hui on a une espèce de vallée en escalier, en grande marche d'escalier. Et donc il faut imaginer que ces marches d'escalier sont liées à une succession d'événements finalement catastrophiques, mais à une époque où il ne devait pas y avoir encore grand monde. La végétation s'est installée, donc dès le départ des glaciers, a retrouvé et s'est installée sur les versants, organisée en grands étages de végétation, c'est-à-dire que dans le secteur bas, on a vu la progression de la forêt, notamment la forêt de feuillus, puis au-dessus, la forêt de conifères, et puis au-dessus de la forêt, bien c'est la prairie alpine, celle qui a été exploitée sous forme d'alpage, entre 2000, pour simplifier, entre 2000 et 2500 mètres d'altitude. Et la végétation disparaît ensuite progressivement. On va trouver des plantes pionnières jusqu'à 2800, voire même 3000 mètres d'altitude. Mais on entre là dans l'étage nival, c'est-à-dire où les êtres vivants ont de moins en moins de leur place. Dans notre vallée de la Maurienne et de la Tarentaise, ils jouent beaucoup parce qu'on a des vallées qui sont de direction est-ouest. Donc on a un vrai adret ou un vrai endroit et un vrai envers, avec une belle différence. L'adret étant parfaitement ensoleillé, l'envers étant plus frais, plus humide aussi, et donc plus largement laissé à la forêt. Les cultures autrefois étaient essentiellement cantonnées sur l'adret. On a toujours un peu tendance à simplifier la climatologie de la montagne. Bon, on donne des moyennes, on donne des grands ensembles. En réalité, vous voyez bien que le relief
présente des niches, des caches, on peut dire, qui vont influencer des climats, à tel point d'ailleurs qu'on parle de topoclimat, hein, ça veut dire des climats qui sont en relation avec la topographie, sur quelques mètres, on peut varier d'ensoleillement, on peut être à l'abri de la pluie, ou bien au contraire exposé de plein fouet au vent pluvieux. À une échelle fine, on peut dire que le climat est extrêmement varié. Et ça se ressent d'ailleurs sur la végétation, puisque vous pouvez avoir des plantes qui s'adaptent parfaitement à ces topoclimats. Le massif de la Vanoise est assez bien exposé au vent d'ouest, c'est-à-dire qu'il a une pluviométrie importante, surtout en altitude. Donc on a un massif relativement bien arrosé, peut-être moins par exemple que le Mont Blanc, mais enfin globalement bien arrosé ou bien enneigé. D'ailleurs, il reste, j'évoquais tout à l'heure les glaciers quaternaires, il reste quand même de beaux glaciers dans le massif de la Vanoise. Le massif de la Vanoise représente le deuxième massif englacé des Alpes occidentales, après celui du Mont Blanc, ce qui correspond à peu près à 140-150 km² de glaciers, ce qui n'est pas négligeable. Alors certes, ils se réduisent un petit peu aujourd'hui, mais enfin, ils donnent quand même leur signature encore largement au massif de la Vanoise, avec notamment les glaciers des Dômes de la Vanoise, entre la Dent Parachée et la Grande Casse, avec le Mont Pourri en Tarentaise, avec surtout la crête frontière de la Haute Tarentaise et de la Haute Maurienne, où vous avez quand même une guirlande de très beaux glaciers. Donc, s'il y a des glaciers, c'est qu'il y a un stock neigeux, un stock de glace, qui alimente les torrents et les rivières en eau à partir du mois de mai-juin, et donc qui en fait, on peut le dire, hein, comme on emploie souvent cette image, un véritable château d'eau. Alors, globalement, on a donc un réseau hydrographique abondant, enfin je veux dire très, très bien dessiné et abondant, et la ressource en eau, a priori, n'est pas menacé dans nos régions. Encore faut-il être prudent dans son exploitation. Autrefois, en Haute-Maurienne, il y avait tout un réseau d'irrigation qui, d'ailleurs, continue à subsister sous forme plus moderne, mais qui a probablement été mis en place dès le Moyen-Âge. Donc c'est bien qu'il y avait de l'eau en permanence en été, un peu à l'image des régions des plaines méditerranéennes qui étaient alimentées par le massif pyrénéen, par exemple. C'est un peu la carte postale, mais c'est une réalité. Les paysages de l'eau sont partout présents. Les cascades, les torrents, les canyons, des zones humides sont assez... Il y a eu tout un inventaire récent de ces zones humides, donc c'est-à-dire plus ou moins les zones marécageuses, riches en diversité des espèces animales et végétales, qu'on essaye aujourd'hui de sauvegarder dans la mesure du possible. Non, ça c'est une réalité.